Belles amis mio, bonjour et bonsoir. Tout dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Moi, j'espère que vous bien, famille ou bien. C'est ça qui est plus important. C'est toujours mes mêmes amis au four de service réfrigération. Je dis à qui porter deuxième vidéo pendant à préparer réfrigérateur. Nous venons pour nous capables mettre bimétal et pour nous capables mettre résistance et pour nous capables mettre vent ensemble. Nous déjà connecté toutes filio et nous pour mettre résistance là, mais résistance là, venez. Nous déjà metté bimétal du quoi li rete seulement pour nous capable bien ajuster et puis pour nous mettre résistance là après ça pour nous capable mettre condenseur derrière doul pour nous ajuster toute bagaille dans compartiment congélation après ça pour nous voir le fonctionner. OK, à nous monter parce que moi pas gain accès pour mettre c'est avec caméra m'a filmé et puis m'a bande explication. Fil ça par exemple, c'est là et dans extrémité bimétallique hein, c'est là point de résistance là pour le connecter dans point ça. Après ça, l'autre extrémité résistance là, les pour le connecter nan point ça. Après ça, les mêmes la venir ajuster dans partie en bas là juste pour capable briver dans espace ça. Bimétal les même les poils ajuster dans sortie évaporateur. Ça c'est rentrée là, ça c'est sortie évaporateur. Ça c'est contrôle de liquide là qui venir là ou bien capable dire capi là qui venir là. OK. Ya à nous météo. OK, nous connecter résistance là, nous passer tape nan yo, c'est de manière que pour éviter un choc électrique nous mettez tape nan tout y a mes côté résistance là passer. Bon, passer le pas derrière pour le capable beaucoup plus mieux placé par exemple comme ça. OK, les placer comme ça. Nous va le mettre partie devant mais vent. Nous va le mettre partie devant qu'on a. OK, qu'on y a nous fin placer et tout bas devant les pocher. Déjà compartiment ça il déjà est fini. Légistrété qu'on y a pour nous capable passer dans étape pour nous capable mettre condenseur derrière doul qu'on y a. OK, nous déjà monté condenseur à nous ajuster de en l'air et puis mes compartiments, mes moteurs nous pas le mettre là, nous pas le mettre dans place li, en bas appareil là nous pas le mettre en fil des intraténaires, nous pas le souder condenseur dans tuyau haute pression. Après ça, pour nous capables de souder tuyau bas pression, mais qui ont inverse qui fait parce que l'appareil n'a pas venu avec condenseur extérieur, c'est condenseur interne qu'il était. Il a installé condenseur ça derrière d'eau juste pour capable de faire fonctionner. Bien, nous allons réinstaller tout
et position condensée a, et puis tout le monde mettait fil désintraté a, et puis pour nous souder parce que capilla et ou bien contrôle de liquide là trop coûte. Parce que les contrôles de liquide là coûte, la voile retourner gaz dans le compresseur a, et réfrigérant dans le compresseur à l'état liquide parce que par coup contrôle de liquide là trop coûte. Ça veut dire nous voilà créer un moyen mettre ajuster un bout la donne après ça pour nous capable mettre tout bagaille fonctionner. Jean travail là et là il paraît un petit Jean pour capable et ouais et comprendre moteur compresseur ça qui était sous l'IA avec ça. Il y a même capacité, c'est vrai, mais yo paraît un petit genre différent, ils ont fait position de sortie et rentrée et valve de service compresseur. Par exemple, l'autre valve là est à droite, ça lui même lié à gauche. Nous pouvons créer au moins impossible, ça c'est sortie évaporateur, c'est dans le bord ça qu'il doit venir. Dans le bord suction du compresseur qui sortit évaporateur. Et tuyau haute pression, c'est le même qui n'a tuyau qui doit être condensé. Ça veut dire que nous pouvons l'obliger de créer un moyen pour nous capables de souder un tuyau qui sortit de condensé à moteur compressé dans haute pression. Ça veut dire nous allons ajuster là. Et puis nous allons prendre un tuyau qui sortit dans évaporateur. Ça veut dire dans bas pression qui vient cap souder dans bas pression compressé. Et puis nous allons ajuster reste qui manquait dans contrôle de liquide là. Et puis nous pouvons souder valve de charge là, nous déjà soudé. Nous pouvons souder un fil désintraté là. Et puis déjà pour nous capable de faire fonctionner. Ok, nous fait pièce là. Ça c'est retour compresseur qui va le souder là parce que il est pas assez parce que au coupé tuyau de retour qu'on a nous pas ajuster dans point ça. Après ça n'a souder tuyau ça haute pression dans haute pression compresseur. Ça c'est tuyau haute pression et puis qui ajuster dans condenseur. Et puis nous pouvons mettre un fil désintraté là. Après ça, nous allonger et contrôle de liquide là. Dans la mesure qu'il demande pour mettre là. Parce que nous pouvons contrôler pour nous voir le mode de travail compressé pour nous connaître combien de capillaires pour nous ajuster dans la sécurité. Ok, qu'on a nous soudé tuyau de pression qui pour l'ajuster là parce que les gants tient jambes trop court. Et puis nous pour le mettre compresseur dans place là, nous déjà soudé au tuyau tout parce que tuyau bas pression, il pas assez gain longueur pour arriver dans le canyon de suction de compresseur. Nous soudé tuyau haute pression, nous allonger pour le carabriver dans tuyau condenseur. On est nous pas le mettre dans place li. Ok, déjà nous déjà mettez condenseur moteur dans place li. L'irriter pour nous souder tuyau ça là. Et puis condenseur nous on va le couper bout là dans là. Na tio sorti nous mettez à nous prolonger parce que li était trop court. N'a coupé bout de ça.
Après ça, pour nous capables mettre point de condensé à là-dedans. OK. Condensé à pour le venir dans partie ça là. C'est là-dedans ni li pour le venir. L'argent qui est capable la rentrer là. Après ça, nous souder. Après ça, nous retourner, nous venons souder partie bas pression. Après ça, la valérité pour nous capable et longer et contrôle de liquide là parce qu'elle est trop courte. À nous souder tuyau haute pression. OK, nous fin soudé tiroir. Après ça, nous va souder l'autre tiroir ça qui est venu là. Après ça, nous mettez pression et la donne pour nous est-ce qu'il gagne et quel côté qui gagne fluide parce que vous connaissez dans la vie quel que soit ça que vous gagne comme connaissance a toujours gagné des erreurs qui passaient mais pour nous capable corriger il faut que nous capable connaître qui gens et comment nous capable corriger nous parle sous des parties ça lui-même qui c'est bas pression après ça pour nous venir souder contrôle liquide là qu'on a.